Salut Divine, c'est Julie de la Discologue Blog. On se retrouve aujourd'hui pour un énième et nouveau tag et aujourd'hui on va s'attaquer à un tag qui est assez répandu sur YouTube. C'est... enfin, répandu. J'ai plus l'impression de le voir sur les chaînes américaines que sur les chaînes françaises. Du coup, c'est le most likely to, du coup, la personne qui est le plus susceptible de nous deux à faire quelque chose. Mais on n'a pas choisi les questions, c'est Amy, du coup, si vous la connaissez pas, le travail sur notre blog avec nous. Et c'est elle qui a choisi les questions, du coup, je lui ai envoyé un documentaire. J'ai envoyé un document avec toutes les questions et elle a choisi, du coup, on ne sait strictement pas de ce qu'il y a dedans. Et ça risque d'être très drôle. Et la première question, c'est qui est le plus susceptible d'écouter de la musique classique? Ouais, bon, là, c'était pas bien compliqué. Ouais. Non, moi, non, ça m'endort. Enfin, ça me dérange pas spécialement, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, j'aime bien. Ah, bah, j'écoute pas ça tous les jours non plus. Quoi, après, ça me dérangerait pas. Oui, voilà, je fais du piano, ça. Mais j'aime bien écouter, ça me calme en fait. Qui est susceptible de plus regarder des films romantiques? Bah, alors là. Franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, les deux, hein. Ouais. Bah c'est ça. Ça aurait été qui la plus romantique, j'aurais dit toi. Mais les films romantiques, j'aime bien quand même en regarder, quoi. Bah moi, tu vois, j'ai beau être romantique, les films romantiques, c'est... Après, j'aime bien... En fait, j'aime bien quand c'est à Noël. C'est les films romantiques de Noël, après... Après, moi aussi, j'ai regardé hier. Et bah, en fait, si vous savez pas, on tourne cette vidéo au mois de novembre. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, mais... Oh bah avant Noël je pense. Et du coup j'ai regardé les premiers hier. Mais ça m'a saoulé les voix françaises, j'ai abandonné. Oui moi aussi, en fait j'aimerais bien qu'ils mettent l'option. Ouais. Qui est le plus susceptible d'être le meilleur en maths? Aucune de nous deux. On n'a pas fait de pancarte aucune. T'aurais juré. Émilie elle a voulu nous piéger avec cette question parce qu'elle sait qu'on est nulle et qu'elle est forte en fait. Bah je sais pas, là franchement j'ai aucune idée. En fait, combien de moyenne en maths? Je pense qu'on est au même niveau. Bah, en fait, je peux pas te dire parce qu'en ST2S, il n'y avait pas beaucoup de maths. Donc, j'avais 19 de moyenne. Hein. Ah oui. Mais en même temps, c'était pas bien compliqué. Donc, tu vois, c'était les trucs un peu basiques. Alors, je serais d'être. Tu sais qui veut dire. Après, moi, parce que j'ai fait plus de maths. Que... Ça dépend quoi. En réalité, c'était pas de ma faute. J'ai fait un bac où j'avais moins de maths, quoi. Donc. Moi, j'ai aucune idée. Après, je sais pour la vie de tous les jours, mais bon, moi, je vais pas faire des grands trucs en maths, quoi. On peut passer cette question. Moi je dirais quand même Divine parce que bon, je pense qu'elle est meilleure que moi. Mais bon, je sais pas. Ah bah, j'ai une calculatrice dans la main. Ouais, moi aussi. On n'a jamais fait de test. On fera un test pour savoir qui est la meilleure de nous en maths. Mon dieu, j'ai peur. C'est quoi ces questions? Qui est le plus susceptible d'être une drama queen? Amy, c'est quoi cette question? La prochaine fois, on laissera plus Amy choisir les questions parce que. En fait, je serais tentée de dire nous deux. Oui. Parce que on a un peu le genre à dire qu'on est parfaites. Ouais, voilà, mais c'est pourri, quoi. Oui. Parce que personnellement, je me crois pas parfaite. Bah, hein. Moi non plus. Mais j'aime bien dire ça pourri, quoi. C'est plus pour me moquer, enfin, comme ça, je sais pas. Je m'aime bien, mais pas non plus. Bah oui. On va dire, moi je dirais nous deux aussi, hein, comme ça règle le problème. Qui est plus susceptible de marier une célébrité? Alors, moi je dis Lulu parce qu'elle parle anglais et que c'est souvent les célébrités sont américaines ou anglaises. Enfin, moi aussi je parle anglais, mais. Ouais, je veux dire, moi aussi. Elle parle plus anglais que moi, donc bon. Puis elle aime bien répondre des grands textes sous les photos des gens connus, alors bon. Voilà. T'as plus de susceptibilité de te faire voir que moi. Ah! Comme sur Instagram, tu réponds des belles choses, tu vois. Je suis philosophe. Voilà, donc toi. Qui est le plus susceptible de retenir sa respiration le plus longtemps possible? Bah, commencer. Oh non, j'ai pas envie d'essayer, on va mourir après. Bah, on va dire, moi je dirais toi. Moi aussi, parce que. Parce que, on a beau être asthmatique toutes les deux, tu l'es moins que moi. Moi maintenant. Tu peux courir toi en fait. Ouais, moi je fais. En fait, mais c'est grâce à ça que je suis moins asthmatique. Hein. C'est depuis que je fais du sport. Moi je suis toujours autant asthmatique aussi, je fais du sport. Donc j'irai moi aussi, ouais. Oh, c'est quoi cette. Tu es plus susceptible de se marier là. C'est pas compliqué ça. Parce que ça on le sait tous, hein, c'est une divine quoi. Même de nous trois je pense. Oui, qui est plus susceptible de se battre? Je veux dire moi, mais bon je pense pas que je vais me battre, je veux pas me rebattre une fois dans ma vie. Moi non je me bats pas parce que les gens ils ont peur de moi, du coup ils s'approchent pas. Alors, une fois ça s'est passé, ça se passera plus jamais hein, pour ma part j'espère. Qui est plus susceptible de parler aux animaux? Moi je dirais toi. Ouais. Alors dans la truc d'avant j'ai dit que c'est toi qui parlais aux animaux mais. Ouais. Après j'aime beaucoup les animaux alors je pense que. Parce que si t'es végétarienne. Ouais voilà.
Moi, j'adore les animaux, mais... Oh, c'est mignon. T'imagines parler à un petit écureuil. Oh, moi, j'adorerais, mais... T'es plus... Ouais. Plus supposé à faire plus que moi. Ouais, je suis d'accord. Qui est plus susceptible de s'inquiéter des plus petites... Des choses... Enfin, comment on dit ? Des choses futiles. Bah, moi, ça dépend qui ça touche. Moi, je suis pas du genre à m'inquiéter, en fait. En fait... Moi, je suis plutôt cool. Tu vois, je... Bah, moi, je me prends pas la tête non plus sur des petites choses... Des... Enfin, un peu bêtes, quoi, tu vois. Ouais. Ça dépend... Mais franchement, je pense pas qu'il y en ait une de nous deux qui s'inquiéterait pour... Enfin, je veux dire, faut déjà que ça soit grave, quoi, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête pour des trucs ridicules. Voilà, moi non plus. Déjà, moi, même quand c'est grave, des fois, je me prends pas la tête. Non, franchement, y a personne. Non, je pense pas. Hein. Ouais. Bon, passe. Qui est susceptible de rejoindre l'armée? Bah, on a toutes les deux voulu y aller. Ouais. Mais je pense que toi, c'est plus... Peut-être. C'est plus longtemps que moi, toi. Ouais. Oh, j'aurais toujours voulu être Marine. Hein. Voilà. Je veux toujours d'ailleurs, mais bon. Moi, je veux toujours aller dans l'armée de l'air, mais. Ouais. Ouais, peut-être moi, je sais pas. Après, je t'avouerai que je mettrais bien les deux. Hein. Mais je pense que toi, c'est depuis plus longtemps que moi. Ouais, moi, ça fait longtemps. Qui est le plus susceptible d'être une super modèle? Alors, Ludivine, parce qu'elle aime bien se maquiller, donc voilà. Et moi, bah, j'aime bien m'habiller, mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais pas quoi répondre. En fait, ça dépend pourquoi. Je sais pas, super modèle. T'es trop petite pour défiler. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Enfin, je suis pas très grande non plus, mais. Moi, j'ai pas de réponse. Moi, je te vois bien quand même. Hein. Bah, tu me vois bien alors. Qui est le plus supposé diriger le monde? Oh là là. Moi, j'ai pas envie, par moi contre. Non plus. Hein. Du coup, je vais dire Ludivine parce que j'ai pas envie. Après, moi, je pense que j'ai. En fait, j'aurais pas envie, c'est trop de. Enfin, je. En fait, j'ai plus de capacité à parler aux gens, tu vois. Mais c'est trop de contraintes, moi, donc je voudrais pas déjà. Moi non plus, mais tu vois, entre nous. Ouais. Quand on doit faire un truc, c'est toujours moi qui vais parler aux gens. Ouais. En fait, moi j'aime bien analyser les gens, les regarder, voir leur comportement et. Moi je suis sociable en fait. Moi je suis sociable, mais après. Non, mais en fait, j'aime bien analyser, moi. Ouais. Il me faut un temps d'analyse, tu vois. Qui est le plus supposé gagner un Oscar? Un Oscar pourquoi déjà? Ça dépend pourquoi. Oscar ou World? Je sais bien comment c'est dur, donc. En tant qu'actrice, bon, non, parce que Ludivine, elle rigolerait quand elle. Si, on m'a dit que j'étais actrice tout à l'heure. Ouais. Oui, mais on sait très bien que tu vas rigoler quand tu vas jouer devant les gens. Donc, je suis pas sûre. Hein. Déjà, je tomberai sur l'escalier pour aller chercher l'Oscar. Mais comme on travaille ensemble, on dirait les deux, parce qu'en fait, si on en gagne, on est censé gagner ensemble. Qui est plus susceptible d'être la personne la plus gentille au monde? Ah, il paraît que c'est moi, j'ai lu un truc avec les taureaux, alors on va dire moi. Ah bah oui. Mais après, je suis gentille quand même, hein, en général. Donc... Non, moi je m'énerve vite. Alors, je trouve que je suis plus gentille que toi, en fait. Parce que je... Non, c'est vrai, hein, quand même, t'avoueras que... Tu me prends toujours la tête avec les gens. Voilà, moi je suis calme de base quand même avec les gens. Mais après, je suis moins sociable, donc en même temps, je risque pas beaucoup de m'énerver, mais... Je trouve que je suis gentille. Non, en fait, moi, faut pas me pousser. Je suis gentille, mais faut pas me pousser. Genre, avec les profs, je m'énerve tout le temps. C'est pour ça, moi, je m'énerve pas. Je reste très zen. Donc, oui, je dirais quand même que c'est moi. Parce que toi, non. Combien de fois je vous ai fait honte à la fac? C'est une sacrée. Qui est plus supposé se marier sans amour? Ah, bah, ça, c'est Julie. Les impôts. Non, en vrai, je préférerais pas me marier du tout. Je trouve que ça serait méchant pour la personne, donc... Mais t'es plus supposée. Mais oui, je suis plus supposée, c'est sûr. Hein. Moi, je peux pas. Moi, sans... je peux pas marier sans amour. Pour avoir un crédit, tiens, ça peut être pas mal, hein. Non, je rigole. Je le ferai pas quand même. Tu es plus susceptible de vivre dans un zoo? Ah bah, pas moi, parce que j'aime pas les animaux enfermés. Ouais, bah moi non plus, j'aime pas les zoos. Bah oui, mais du coup, j'ai pas le choix. Tu es le plus susceptible... Je rigole déjà, parce que... Ah, puis la question! Tu es plus supposé envoyer un message par erreur à une mauvaise personne? Ça, c'est nous deux. C'est nous deux? Même si je pense que moi, j'ai fait plus que toi. J'ai réussi à envoyer des vidéos et n'importe quoi à des gens qu'il fallait pas. Des textes, des petits emojis aussi, ça j'aime bien. Des flammes. Toi, t'envoies des flammes, moi j'envoie des bonhommes avec les yeux en cœur. Tu sais, avec le truc qu'ils font maintenant faire coucou là. Ouais. Moi, je fais coucou à tout le monde! Du coup, j'ai peur maintenant. Tu es supposé être un beau détective. Ça, c'est moi. Ça, c'est Ludivine. C'est espion Lulu. Vous me donnez n'importe qui comme personne, je trouve tout sur internet. C'est bien quand même, c'est un avantage pour nous. Réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Même le LinkedIn si vous voulez. Tu es plus supposé tricher à un test. Moi, je dirais quand même Lulu parce que moi, non. Moi, je peux pas mentir, donc en fait, je dirais à la fin que j'ai triché. C'est la parole de sa copie. En fait, j'ai triché. Non, je pense pas quand même, mais tu vois, en fait, je me sentirais trop mal. Donc, je l'ai sûrement fait parce qu'on me l'a tous fait, mais. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai sorti mon téléphone en partiel. C'est grave.
regarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je serais trop stressée. Je pense que je serais capable de faire un AVC juste parce que je triche, tu vois. Mais j'avais le nom. Ah bah oui. Le personnage, j'avais plus de prénom. Il me fallait le prénom. Des fois, je t'aide quand tu vois, mais partielle et tu me regardes pas. Donc après, t'as pas les réponses. Première année. Ouais. Non, deuxième. Non, deuxième. De toute façon, j'ai loupé le truc, mais j'avais la réponse là. Qui est le plus supposé danser dans un lieu public? En même temps, elle le fait déjà tout le temps, alors bon. Qui est le plus supposé détester la Saint-Valentin? Bah, en fait, moi, parce que c'est pas trop mon truc, mais je dirais Ludivine, parce que voilà. Oh, c'est fini déjà? Oh bah, ça a été vite. Ouais. C'est bon, ça fait vite. Moi, je mets pas le minuteur, là, je crois. Ah, ça va pas durer 10 ans pour faire la fois, quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux questions si vous voulez. De toute façon, je vous aurais mis des questions sur l'écran, si j'y pense, bien entendu. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça nous fait plaisir. Et surtout à participer dans les commentaires, car ça nous fait super plaisir de vous répondre et de voir que vous êtes là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout à activer les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos qu'on publiera prochainement. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve prochainement. Peace. Bye.